Salut à tous, et voilà donc nouvelle vidéo. Ce matin, on démarre la journée, c'est parti avec du coup ma nouvelle diète en ce moment. Là j'ai perdu un petit peu de poids parce que j'étais malade le week-end dernier. Malheureusement c'est quand même bien tombé, donc je crois que j'ai dû lâcher presque 4 kilos. Quand même, hein. Bon après je pense qu'il y avait quand même pas mal de flotte, donc c'est pas trop dramatique, ça va revenir assez vite. Et puis au moins ça m'a permis de faire un petit coup de propre, on va dire. Donc voilà, donc ce matin, bah, comme d'hab, l'espèce de salad et cake était un peu retombé, je l'ai fait hier, c'est pour ça. Avec du coup ma purée d'amande. Donc avec ça, les compléments habituels du matin, comme vous le savez, la vitamine B pour l'énergie et le système immunitaire, c'est flaxine. Vénaxine pour la circulation et l'arthroxine pour les articulations et les petits bobos. Donc voilà. Ouais, j'ai dû manger un truc pas terrible. Et du coup, ça m'a pris le ventre. J'avais vraiment pas faim. J'avais mal au ventre et j'avais pas faim du tout. Comment dirais-je, toute la bouffe m'écœurait en fait, quoi. Rien que de voir cuire de la viande et tout, ça me donnait vraiment la gerbe. J'ai pas pu faire tous les repas que je voulais, mais je le sentais bien, j'étais vraiment épuisé du coup. Donc bon. Et voilà, ça arrive, et à tout le monde, ce qu'il faut, c'est pas s'inquiéter et régler ça comme oh là là. Ouais, là ce matin, j'ai du mal à trouver mes mots. Hein. Bref, il faut bien faire les choses pour que ça remonte. Mais comme je vous disais, c'est pas très très grave. Parce que j'étais quand même assez lourd, mine de rien. Là, je suis pas en. C'est pas très grave parce que je suis pas non plus en préparation pour une compétition. Là, ça aurait été beaucoup plus dramatique. Parce que du coup, j'aurais tapé directement dans le muscle et tout. Là, en 2-3 jours, j'ai pas non plus lâché énormément de muscle. C'est surtout du glycogène en fait qui fait qu'on se trouve moins gros. Le fait d'avoir moins mangé, moins de calories. Les muscles qui sont beaucoup plus à plat. Donc bon, j'en ai perdu quand même, hein, mais. On catabolise forcément, mais bon, c'est pas très très grave. Allez, il faut toujours rester positif, comme je vous disais. Ne vous inquiétez pas quand ça vous arrive, c'est pas la fin du monde. Allez, je mange ça et je vous dis à tout à l'heure. Mais voilà, ça continue. Prochain repas, du coup, là on a quoi? Du poulet, du riz et de l'avocat, avocado. Un demi-avocat. Bon, là, je pense que j'ai eu le problème que beaucoup de gens rencontrent. C'est que le truc il est mort, je l'ouvre, il est mort, il est filandreux. Du coup, il m'en faut un entier pour faire un demi. Parce que j'ai pas bouffé tous les trucs dégueulasses qu'il y a dedans. Je pense que vous connaissez ça. Hein. Franchement, il nous casse les couilles, quoi. L'avocat, il doit coûter à la limite. Il coûte 1,20€ pièce ou 1,50€. Et ils sont daubés, quoi. Putain, mais faites quelque chose, bordel. C'est fou, ça. Ça coûte la peau du cul et ils sont morts, quoi. Oh là là. Je pense, je sais pas vous, mais moi ça me vénère à chaque fois. J'ouvre mon truc et il est flingué. En plus, c'est bon, mais par contre, c'est immangeable quand il est dégueulasse. Bon, putain, j'ai une petite wave. On coupe, pas mal, hein. Donc bon, je mange ça. J'ai cuit du poulet quand même à l'avance. Il faut s'organiser, ne l'oublions pas. Bon, allez, je mange ça et après, j'ai quand même 2-3 trucs à faire. Faut que je passe. Normalement, comme j'ai une vidéo à tourner. Ce week-end avec Essan, que certains connaissent, Essan NFC. Je voulais me reprendre un legging, donc il faut que j'aille voir chez Intersport, vu qu'on fait les cuisses, parce que je vais être trop court pour Internet. Je sais pas si je vais trouver ça. Bah bon. Quelle vie de fou, hein? Allez, bonne app. Voilà. Je viens de terminer mon repas post-training, pré-training, pardon. J'étais en même temps en rendez-vous téléphonique. Du coup, j'ai mangé en même temps. Ça a duré un petit peu de temps, donc j'ai pas pu filmer ça. Mais j'avais du riz et le poulet. Et là, je m'apprête du coup à terminer ce repas-là avec. C'est une cuillère ou une cuillère à soupe. Je vais remater ma diète. Parce que le problème, je vous explique. C'est comme Julien Suel, il regarde mes vidéos. Il va voir si je prends une cuillère à café. Une cuillère à soupe. Du coup, je regarde.
Allez. Une cuillère à soupe, donc, comme je vous le disais, je le dis depuis le début, hein. Voilà, cuillère à soupe de confiture. Et ouais, les gars, faites pas comme moi, je vous le conseille pas. Bah, enfin, je vous le conseille pas. Faites pas tout ce que je fais, quoi. Parce que ça n'apportera pas le même effet. Donc, bref, voilà, je vous prends une cuillère à soupe entière de confiture, une bonne maman à la mûre. Pas le choix, c'est ce qu'il y a de meilleur, moi, je préfère, ce qui se passe le mieux. Ça avec du beurre de cacahuète, ça déchire, mais bon, là, ce sera ça tout seul. Donc, bon, quand vous voyez des fois, bon, après, il y en a, ils prennent du, je sais pas, comment dirais-je, du Vitargo, nanana, ou au cours du repas avant les trainings, comme il y a le fameux muffin pump. C'est un peu le même genre de délire. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails sur le pourquoi du comment, avec ce que ça vous procure, que ce soit l'énergie sur le pic d'insuline, etc. Mais bon, bref. Du coup, je mange ça. C'est pas mal, hein? Il y a des morceaux en plus. Je pensais que ça allait m'écœurer. Mais pas du tout. En fait, j'ai envie d'en manger une. Donc bon. Mais on va pas abuser. Une cuillère à soupe, c'est une cuillère à soupe. Allez, je prépare mes shakers, le polynectar. Et voilà. BCA, glutamine. Et si, j'aurai un peu de Vitargo, mais juste pendant le training, là. Pas avant ni après. Juste pendant, pas grand-chose. J'ai 20 ou 30 grammes, donc voilà. Je prépare ça et je vous dis à tout de suite. Et là, pleine forme normalement. J'espère. Voilà, c'est parti du coup aujourd'hui, entraînement épaule, biceps. Avec la moulinette qui fait de la moulinette. Cher de l'eau. Tu t'échauffes. Ouais. Tu t'échauffes. T'es en train de t'échauffer? Ouais, vaut mieux pour lui. J'aimerais pas qu'il se casse. Voilà, c'est parti. Donc on commence. Élévation à la poulie. Sous le regard ébahi du public. La foule en délire. Voilà. On serait bien de démarrer à la poulie. Ça commence à bien vous chauffer. Vraiment le muscle et l'articulation sans trop tirer dessus. Voilà. Tout en concentration, comme vous pouvez le voir. Vous mettez 1, 2, 3. 1, 2, 2, pense au poignet. 1, 2, 2, voilà. 1, 2, 3, allez. 1, 2, 4, allez. 1, 2, 5, encore. 1, 2, 6, doucement, maîtrisez. 1, 2, 7, hop, là tu repars là. 1, 2, 8, encore, hop, 9, 1, 2, 10, encore, 17, 1, 2, 11, pour une, allez, 1, 2, 12, on part, on y va, allez, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, allez, 1, 2, 4, encore Théo, 1, 2, 5, attention sur le bras, 1, 2, 6, allez, on y va, 1, 2, 7, 1, 2, 8, encore, 1, 2, 9, 1, 2, 10, allez, 1, 2, 11, encore, 1, 2, 12, on va enchaîner l'autre côté, boum, 12, 12, allez, 1, tout de suite, pas de temps d'arrêt, 2, allez, 3, on y va, 4, encore, 5, on enchaîne, 6, on enchaîne, 7, on enchaîne, 8, encore, 9, allez, 10, on appuie, 11, on appuie, et 12, ok, on repart, dernière, 1, allez, 2, tu les boules, 3, 4, doucement, 5, reste dedans, 6, on appuie, 7, encore, 8, encore, 9, encore, 10, on appuie, 11, on appuie, et 12. Ok, allez, pause, appuie, doucement. De contrôle, Théo. 3, 4, doucement. 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, parfait, 14, et tu arrives au bout de ton chaîne de bras. Allez, par contre 10, allez, let's go, allez, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ou quoi, 4, 4, 5, 5, on y va, 6, 6, on y va, 7, 7, 8, 8, 9, 9, oui, 10, allez, et 10 autres. 1, 2, 2, doucement, 3, 3, 4, 5, 5, allez encore, 6, 6, on y va, 7, allez, 7, encore, 8, allez, 8, on y va, 9, 9, 10, doucement, 10, on dépense, doucement, doucement, 1, doucement, 2, encore, 3, 4, encore, et 5, allez. Contraction 1, 2, 1, on y va. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4, bien. 1, 2, 5, stabilise bien en haut. Serre bien. 1, 2, 6, voilà. 1, 2, 7, encore. Allez. 1, 2, 8, on y va. 1, 2, 9, encore Théo. 1, 2, 10, on décroche, normal. 1, doucement. 2, encore. 3, encore, 4, encore, 5, on en met 5, bon, allez, 1, appuie, 2, encore, 3, allez, 4, dernière, et 5, ok. Facile. Allez, 1, 2, 1, doucement, contrôle. 1, 2, 2, ne serre pas des épaules, là. 1, 2, 3, verrouille bien. 1, 2, 4, allez, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10, encore, 1, 2, 11, 1, 2, 12, 1, 2, 13, 1, 2, 14, encore, 1, 2, 15, on y va, et on commence, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore, et 10. Et 2, allez, bon, 3, on y va, 4, allez, 5, encore, 6, et encore. 7, on appuie, 8, 9, 1, 2, 2, la moins 8, 3, 3, 4, 4, doucement, 5, 5, 6, 6, serré, 8, 8, allez, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, et 1. On va se faire terminer, du coup, on mange. J'ai aussi mangé, moi. Lui, il a déjà fini de manger, lui. Mais il n'y a pas le choix, il a un autre coaching derrière. Moi, j'ai pris le temps pour... Tu vas aller broyer les jambes à Nicolas, toi. Voilà. Au petit Nicolas. On y va. Il a mal fini, le petit Nicolas, tu sais. Bah là, il va mal finir, c'est sûr. Ouais. Bon. On n'a pas filmé la dernière série, pardon. Dernière série, c'était les biceps. Du cœur, le halter. Donc voilà. Riz, poulet, banane. Let's go. Et voilà, de retour à la maison après une petite douche. Et du coup, là, prochain repas, on a quoi? Bœuf. Et de la pomme de terre,
J'ai fait en frites du coup. Voilà. Bœuf avec un petit peu de d'oignons, d'échalotes, etc. Ça va être juste parfait. Donc bon, je vous laisse parce que là, ça me file vraiment trop la dalle. J'en ai marre du poulet, alors là... Ah, du bœuf avec des frites. On va pas louper ça. Allez, voilà. Dernier repas terminé. Du coup, la seule dernière en ce moment, ce sera donc saumon. Bon, là, je mangeais que ça. Saumon, pas de glucides. Plus de glucides le soir. Terminado. Donc, bon. Bon, ça, le saumon, c'est bon. Je profite. Ça faisait longtemps, mais... Mais ça fait son effet, quoi. Donc, c'est très, très bien. Du coup, on arrive à me coucher, comme d'hab, pour bien être relaxé. C'est des mains. De même, pour le bon dodo. Arthroxine, toujours, pour les articulations. Je prends, du coup, deux ou trois fois dans la journée, en fait. Je fais deux ou trois prises. Le céflaxine, encore une fois. Et bien entendu, le venaxine, pour avoir une bonne circulation et les jambes nickel. Et ça vous évite aussi de faire de la rétention d'eau, du coup. Mieux vous circulez, moins vous faites de l'eau succulanée. Donc c'est plutôt très bien. Bref, j'en viens à nouvelles parce que j'avais annoncé qu'il y aurait un pack spécial sur le site Eric Favre Sport. Pour l'instant, ils sont pas encore prêts. Donc, pourtant j'ai demandé et tout à fond, mais ils sont pas encore prêts là-dessus. Du coup, c'est pas grave. Parce qu'en échange, du coup, ils m'ont dit, vas-y, on peut te faire un code promo spécial, si tu veux, sur les protéines. Parce que comme j'ai un peu regardé, et c'est à peu près dans le panier moyen de tout le monde, donc ce qui m'intéressait, c'était aussi de pouvoir faire un geste, entre guillemets, enfin, quelque chose qui pourrait intéresser chacun. Et donc, comme j'ai vu que les protéines, c'était vraiment ce qu'il y avait le plus dans les paniers moyens, et ben, du coup, j'ai demandé un code là-dessus. Du coup, il y aura 15% de réduction, exceptionnellement. Donc là, tout le week-end, en fait, jusqu'au 5 mars inclus. Voilà. Début de mois, j'espère que ça va pouvoir vous aider un petit peu. Parce que c'est vrai que là, du coup, 15% sur les protéines, c'est quand même pas mal. Sur le prix internet, c'est mine de rien, ça la sort quand même vraiment pas cher. Enfin, vraiment pas cher par rapport à ce que c'est, et par rapport au prix du marché. Parce que bon. Vu la qualité, les matières premières, etc. Comme je vous expliquais, c'est des protéines avec des matières premières qui sont toutes labellisées. Donc les sortir à ce prix-là, c'est quand même assez intéressant. Je voulais 20%, mais c'était trop. Parce que la marque a déjà fait beaucoup d'efforts sur le prix pour pouvoir proposer un produit de qualité à tout le monde. Donc on a gratté 15% quand même. Donc voilà, donc le code c'est EFTO15. Et donc vous aurez 15% sur tout ce qui est sur toutes les protéines, pardon. Et ça jusqu'au 5 mars. Donc tout le week-end et le début de semaine. Donc voilà, n'oubliez pas. EFTO15. Et vous pouvez ça. C'est être cumulable avec votre commande et d'autres codes. Hein. Donc vous avez mon code à 10%. Et vous pouvez rajouter 15% sur la protéine, ce qui est quand même assez énorme. Donc n'hésitez pas. EFTO15 pour y aller. Voilà. Et puis, un dernier mot, ne l'oubliez pas. Jamais. L'important, c'est l'essentiel. Allez, ciao.